L'invité de la rédaction. Et nous avons le grand plaisir de recevoir Benoît Duteurtre. Bonjour Benoît Duteurtre. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation sur RCJ. Vous êtes écrivain, homme de radio également. Votre excellente émission Étonnez-moi Benoît tous les samedis sur France Musique est entrée cette année, je crois, dans sa 21e année. Exactement, on a fêté les 20 ans en juin dernier. Félicitations encore Benoît Duteurtre. Et j'ai le plaisir de vous recevoir aujourd'hui sur RCJ puisque vous publiez Les Dents de la Mer, Souffrance d'un piéton de Paris. C'est aux éditions Fayard. Les Dents de la Mer, dois-je le préciser, maire M-A-I-R-E, et nous parlons du maire de Paris, de la maire de Paris. Je précise également, avant de rentrer dans le vif du sujet, Benoît Duteurtre, que cette interview est enregistrée à la veille du premier tour de ces élections municipales. Nous ne savons pas encore donc qui sera à départager dans quelques jours au second tour, et encore plus si ce scrutin aura lieu malgré le virus qui ravage la planète entière et toutes les réunions en général. Anne Hidalgo, c'est l'un de ses objectifs affichés et répétés depuis des années, Benoît Duteurtre, c'est de réenchanter Paris. Et vraisemblablement, le filtre n'a pas pris sur vous. Non, pas vraiment, non. D'ailleurs, c'est le point de départ de ce livre, hein, c'est que ça m'agaçait un petit peu de voir d'un côté la com, le discours médiatique pris, repris, relayé par beaucoup de journaux et autres avec toujours les mêmes mots je veux adoucir la vie parisienne, je veux moins de pollution, je veux une ville qui respire, je veux réenchanter Paris, comme vous dites. Ça, c'est effectivement ce qu'on dit, et on dirait à notre époque qu'il suffit de lancer des slogans très forts pour que tout le monde croit que c'est comme ça que ça se passe. Or, il se trouve que moi, j'ai l'avantage ou l'inconvénient d'habiter en plein cœur de Paris, alors vraiment, kilomètre zéro, pas très loin de Notre-Dame, ce qui peut paraître évidemment une condition très privilégiée, mais non, j'habite un immeuble tout à fait modeste, comme il y en a encore quelques-uns dans l'île de la Cité depuis très longtemps, et j'ai vu ma vie urbaine en réalité se transformer plutôt en cauchemar au cours des 6 dernières années. Ça avait un petit peu commencé avant, pour ces bonnes raisons que Madame Hidalgo, en l'occurrence, a mis en avant, mais qui me semble avoir produit plutôt l'effet contraire. C'est-à-dire que, notamment, pour ce qui est de la circulation, fameuse fermeture des voies sur mer. La fermeture des voies sur mer, qui avait été amorcée sous son prédécesseur, mais qu'elle a décidé de généraliser avec une extraordinaire brutalité du jour au lendemain, quasiment sans prévenir personne. Qu'est-ce que ça a produit dans toute cette partie de Paris-Centre, on peut dire, ça a produit la remontée de la circulation vers le haut de la ville. Il se trouve que les voies sur berge, d'ailleurs, qu'on prétend rendre aux piétons, n'ont jamais été un lieu très fréquenté par les piétons. Hein. C'était plutôt autrefois, les mariniers, c'était la zone La zone, oui. La zone, ça avait son charme d'ailleurs, mais c'est pas du tout ce qu'on a refait, c'est pas du tout le lieu de prédilection des piétons qui, eux, ont toujours aimé se promener sur les quais en haut, le long des bouquinistes, et toute cette partie de Paris, mais aussi les boulevards. Conséquence, pardon, je vous coupe, Benoît Duteurtre, mais les bouquinistes sont réellement en train de crever de l'air pollué qui remonte. Et bien évidemment, puisque toute cette circulation est maintenant concentrée sur le quai supérieur, c'est-à-dire là où il y a les beaux monuments, là où il y a les jolis panoramas sur la Seine, là où il y a effectivement les bouquinistes, tout s'est reconcentré là. Et aussi dans les quartiers adjacents, c'est-à-dire boulevard Saint-Germain, maintenant tous les soirs, c'est une espèce d'enfer de gens qui essaient de s'échapper de Paris par le pont Sully, la rue de Rivoli, n'en parlons pas. Et pourtant, la ville continue à dire, on va rendre la ville plus douce, on va rendre la ville plus douce et on va aller encore plus loin. Mais le problème n'a pas du tout été résolu, c'est donc plus de circulation, plus de tensions, plus de pollution aérienne, mais aussi plus de pollution sonore, parce que les véhicules coincés partout, ça fait du bruit, etc. Et donc, en fait, il s'est produit un petit peu le contraire. Moi, j'ai eu le sentiment de vivre dans une ville plus agitée, plus violente et plus polluée. Donc, je me suis dit, tiens, quand même que je l'explique. Et vous le racontez avec humour dans les Dents de la Mer chez Fayard, Benoît Duteurtre, puisque ce n'est pas forcément pour pleurer que vous avez rédigé ces souffrances d'un piéton de Paris. On s'en amuse un peu, vous nous racontez vos nuits agitées, visitées par de mauvais rêves et de cette femme brune qui ressemblerait à quelqu'un quelque part. Qui veut faire mon bien. Et qui veut faire votre bien. Et j'y viens, la différence peut-être avec les prédécesseurs d'Anne Hidalgo, c'est que on ne parle plus véritablement de politique désormais, mais d'idéologie. La mairie de Paris, nos édiles de municipales veulent faire des choses pour nous, pour notre bien, non plus en direction d'une action publique au sens large. Ils veulent en quelque sorte changer nos vies.
Ils ont décidé qu'ils savaient quel était le bon chemin pour l'humanité, pour la planète qu'ils prétendent sauver, etc. Et donc, ils sont persuadés qu'ils doivent nous obliger, d'une certaine façon, à changer notre mode de vie. C'est pas pour ça qu'on les a élus. On les a élus pour gérer Paris en bon père ou mère de famille, tout ce qu'on leur demandait. Mais non, ils veulent changer. C'est pour ça que j'ai imaginé ces scènes un peu loufoques où cette femme brune vient me visiter la nuit dans mes cauchemars, dans mes pires cauchemars. Et veut absolument m'obliger à sortir faire de la bicyclette et à entretenir ma santé et à lutter contre la pollution. Elle est là un peu comme une, vous voyez, comme une maîtresse d'école ou comme une monitrice de colonie de vacances qui voudrait nous apprendre maintenant comment est-ce qu'on doit vivre. Et moi, c'est pas ce que j'attends, évidemment, du maire de la ville où je vis. Donc voilà, j'ai fait ces développements-là pour montrer, au fond, cette politique du bien. Vous savez, c'est Philippe Muret qui avait écrit un livre qui s'appelait L'Empire du Bien. Mmh. Et c'est vrai que Paris, c'est un peu l'Empire du Bien. On va sauver la planète, on va lutter pour l'égalité homme-femme, on va lutter contre les discriminations des LGBT, on va lutter pour la liberté de la presse, on va aller... tout un tas de causes que l'hôtel de ville met sans arrêt en avant comme étant l'essentiel de son activité et de sa communication et de son rôle. Oui. Mais en réalité, je le redis, c'est pas le rôle du maire d'une grande ville que de résoudre tous les problèmes de la société et d'afficher tout le temps sa vertu. Le rôle du maire d'une grande ville, c'est de faire en sorte qu'il soit agréable d'y vivre, qu'on s'y déplace facilement, qu'elle soit pratique, qu'elle soit confortable, qu'elle soit propre, etc. Et tout ça est presque laissé de côté en regard de ces grands mots d'ordre moralisateurs. Ça n'est plus l'essentiel, vraisemblablement, voilà. Et ça n'est pas ce pourquoi les Parisiens doivent habiter Paris. On assiste à des situations que je pense chacun d'entre nous a déjà vécu et vous nous les transcrivez particulièrement bien dans votre livre Les Dents de la Mer, Benoît Dutertre. Je pense à cette fameuse circulation douce voulue, et c'est une sorte de méthode Coué, c'est une circulation douce, vu qu'on nous dit que c'est une circulation douce, comprenez vélo, trottinette et autres deux roues en tout genre. Ce que vous constatez, Benoît, c'est que, eh bien, si vous me passez l'expression, les cyclistes sont aussi cons que des automobilistes au volant, finalement. Voilà, c'est une des découvertes que j'ai faites ces dernières années. Moi, j'étais persuadé, je conduis pas, hein, je suis un bobo, au fond, je devrais même être un électeur de Madame Hidalgo ou de ceux qui prennent le même genre de politique. Mais il se trouve que je ne conduis pas, j'aime marcher, j'aime piétonner, me balader dans les rues, j'aime Paris. Et j'ai découvert ces dernières années quelque chose d'important, parce que je croyais qu'effectivement, il y avait une caractéristique de l'automobiliste qui était la mauvaise foi systématique. Mmh. Quand il est pris en tort, au lieu de s'excuser, il insulte celui qui lui a fait voir qu'il s'était trompé. Ouais. Et c'est un comportement assez fréquent, effectivement, chez les conducteurs. Eh bien, j'ai découvert, grâce à la transformation de Paris, que les cyclistes sont exactement pareils, c'est-à-dire qu'ils ne respectent rien, qu'ils se moquent complètement de ceux qu'ils peuvent croiser, gêner, apeurer, frôler, mettre en danger, mais que si on a le malheur de le leur faire remarquer, ils commencent par lever le doigt ou par vous insulter en vous envoyant paître et en étant déjà loin, puisqu'ils ont l'avantage d'aller plus vite que vous quand vous êtes piéton. Et il y a vraiment une incivilité du deux-roues qui est une découverte fascinante en soi. Dans le nouveau Paris, le cycliste ayant pour caractéristique de ne respecter ni les feux rouges, ni les passages protégés, ni les sens uniques, ni les trottoirs. Il est partout chez lui, puisqu'il est le développement durable à roulettes, puis il est content, il va sauver la planète. Une tolérance pour ça. Oui. Et il n'a plus, et le piéton, lui, est la victime, finalement. Je dis en m'amusant qu'au fond, il y avait peut-être une espèce de vieille harmonie, pas parfaite, mais qui s'était installée entre le piéton et l'automobiliste. C'était un peu comme, je dis, un peu comme les gaullistes et les communistes sous la cinquième, au début de la cinquième république. Bon, voilà, ils cohabitaient, ils allaient bien ensemble. Et pareil, les piétons et les voitures, ils avaient chacun leur territoire, ça marchait à peu près. Et puis tout a été bouleversé, laminé par ces satanés de roues qui ne respectent rien et qui rendent vraiment la promenade anxiogène, alors que c'était justement la chose la plus agréable et la plus douce pour le coup à faire à Paris. Ajoutons à cela les embouteillages, vous le disiez, les travaux également. J'ai lu quelque part qu'il y en avait eu l'année dernière un peu plus de 7000 dans la capitale, ou près de 7000 à peu près en même temps. La ville se défend en disant que c'est pas uniquement elle, sauf que la ville autrefois
régler, régulariser, réglementer l'organisation, le calendrier des travaux pour que ça, pour que ça apporte le moins de nuisances possible dans la circulation. Mais aujourd'hui, maintenant que la ville, persuadée d'avoir fait une trouvaille géniale, nous explique que la fluidité n'est plus un objectif et pense que le next plus ultra de sa politique citoyenne, c'est de pourrir la vie des automobilistes, elle a évidemment renoncé à toute forme de régulation de ses travaux publics. Et au bien-être des piétons, donc, puisque Piétons de Paris, vous l'êtes, Benoît Duterte, nous le sommes beaucoup, je pense encore, mais vraisemblablement de moins en moins. Est-ce que autre chose vous marque dans ce changement de la ville? Il y a ses habitants, mais le décor, lui aussi, oui, petit à petit, à travers sûr. Son mobilier urbain, à travers ses publicités monumentales, il y a une sorte de changement également qui est en train de s'opérer par le fond. Bien sûr. Alors, vous parlez notamment, par exemple, de ces publicités géantes qui maintenant s'affichent de façon extrêmement vulgaire sur les plus beaux monuments au nom d'entreprises qui certes financent une partie des travaux. Mais enfin, est-ce qu'on est obligé d'accepter ça? Bon, c'est vrai que quand j'étais petit, les travaux publics de l'État, quelquefois, ça durait 30 ans pour refaire la façade d'une église. Bon, mais au moins, on n'avait pas à subir ces images de téléphone ou de montres vulgaires. C'est plus que ça. D'une certaine façon. Je dis pas d'ailleurs que la mairie est seule responsable, hein. C'est une tendance de l'époque, c'est une tendance des villes aussi. C'est lié à l'évolution politique et économique mondiale, mais c'est aussi l'invasion des marques partout en ville, qui est une chose qui me frappe beaucoup. Vous savez, on a l'impression aujourd'hui sur certains trottoirs parisiens de marcher le long d'une suite de logos, de nourriture rapide, de vêtements fabriqués dans le tiers-monde pour des grandes marques américaines ou espagnoles, etc. Et toutes ces mêmes marques qu'on trouve partout dans le monde sont là maintenant sur les trottoirs de Paris et délogent peu à peu le petit épicier arabe du coin le bazar et tout ce qui faisait la magie du petit commerce parisien. Et cette invasion des marques, ça c'est quelque chose que je trouve absolument abominable, à quoi s'ajoute effectivement le mobilier urbain d'une mairie dont le principal souci semble être de nous dire qu'elle n'aime pas Paris. Franchement, ce que Haussmann a fait, d'ailleurs ce salaud de réactionnaire d'Haussmann, ce qu'il a fait, c'est vraiment pas bien. Il faut qu'on lutte contre en changeant, en nuisant au décor de l'intérieur comme ça, et par exemple en mettant des espèces de poutres de chantier sur le parvis de l'hôtel de ville qui sont, paraît-il, des bancs publics, en mettant, etc. Mais on sent une espèce de profonde vieille haine de cette chose unique qu'à Paris, et qui attire pourtant les touristes du monde entier, qui est cette cohérence urbaine, justement, modelée à la fin du 19e siècle par quelques urbanistes géniaux. Et nous sommes toujours avec Benoît Duterte pour Les Dents de la Mer, souffrance d'un piéton de Paris aux éditions Fayard. Benoît Duterte, vous nous disiez à l'instant cette haine de Paris de la part des édiles actuellement en place, une haine de la ville qu'on peut peut-être essayer de comprendre, pas excuser, loin de là, mais essayer de comprendre par une haine d'autre chose, peut-être une haine d'un certain passé, refuser un héritage, refuser ce que des grandes choses ont pu être faites au nom de la ville, pour la ville, au fil des siècles. Et là, on décide de pas de faire table rase, puisque ce serait embêtant pour les millions de touristes qui viennent aussi. Qui viennent pour ça, justement. Qui viennent pour ça, qui viennent voir des églises. Ils viennent voir les grands boulevards, ils viennent voir les. Ils viennent voir Notre-Dame, qui était le premier monument de France à être visité. Cette haine de la ville s'expliquerait aussi par ce refus de l'héritage. Soyons modernes, coûte que coûte, et oublions le passé. Je pense qu'il y a un petit peu là-dedans de vieille idéologie gauchiste, plus ou moins consciente. De toute façon, le Second Empire, c'est mal. Haussmann, c'est mal parce qu'il a rasé les vieux quartiers de Paris pour lutter contre les révolutionnaires. On l'a vu au moment de la Commune. Vous savez, ça sont des idées très très présentes dans le dans la mémoire historique plus ou moins vraie de France, parce que la réalité, c'est qu'Haussmann a fait des boulevards larges pour aérer Paris, pour rendre la ville praticable, et qu'il a été en même temps un visionnaire, puisque ces boulevards se sont avérés merveilleusement adaptés à l'évolution de la circulation au fil du XXe siècle. C'est ça qui est la réalité. En plus, il a donné un caractère
merveilleux d'homogénéité à la ville, avec, vous savez, toujours 6 étages, balcon au 2e et au 5e, les grands boulevards avec autour des petites rues et des vieux quartiers qui sont conservés dans ces petites rues. Il y a une espèce d'équilibre assez étonnant qu'il a réussi, qui a dû sans doute d'ailleurs être pénible à l'époque pour beaucoup de Parisiens, parce que c'était beaucoup de travaux, mais je pense qu'il a réussi quelque chose qui effectivement fascine beaucoup dans le monde et fait cette merveilleuse unité de Paris qui est toujours très frappante, avec aussi son mobilier urbain, ses colonnes Maurice, ses fontaines Wallace, tout ça, ça va tellement bien ensemble. Ces jardins, ces petits squares, ces 5 grandes gares, ces 6 grandes gares que certains rêvent aujourd'hui de rêver de décentraliser en banlieue. Tout ça, ça marche merveilleusement ensemble. C'est le paysage parisien et c'est un paysage urbain. Et on a l'impression qu'effectivement, des nouvelles générations politiques, alors évidemment avec aussi les urgences climatiques et autres qu'on connaît, tout d'un coup, veulent entrer en guerre contre cet héritage urbain, contre ce que c'est même qu'une ville, pour essayer de s'inventer une espèce de campagne à la ville, de transformer Paris en espèce de ville hollandaise, ennuyeuse, où on fait du vélo dans des rues où il ne se passe rien, etc. Et veulent aussi mettre partout des potagers, des champs, des forêts, des trucs qui n'ont aucun sens, parce que on a beau parler de mettre une forêt en ville, ça ressemblera jamais à une forêt, c'est n'importe quoi. Mais évidemment, voilà, il y a une espèce de comme ça qui voudrait en fait nier d'une certaine façon ce que c'est qu'une ville, et ce que c'est aussi le plaisir de vivre dans une ville où on peut se déplacer avec le métro, avec ses pieds, avec sa voiture, avec son vélo, pourquoi pas, et tout ça, voilà. Dans Les Dents de la Mer, vous pointez également, Benoît Duteurtre, cette obligation de la fête, cette parade permanente, et vous soulignez à juste titre d'ailleurs que le parvis de l'Hôtel de Ville, anciennement place de Grève, qui était l'un des lieux d'exécution de Paris durant des siècles, a laissé place à d'autres cris que ceux des exécutés, des suppliciés. Ce sont les cris de l'Homo Festivus, pour reprendre un concept de Philippe Muret, encore une fois. La fête est permanente et quotidienne, la fête est elle aussi devenue quasi obligatoire. Voilà, alors comme je le précise, je ne vais pas jusqu'à regretter l'horrible supplice de la roue. Faut-il prendre cette précaution? Voilà. Il se déroulait autrefois en place de Grève. Néanmoins, c'est vrai que c'est devenu une espèce de bazar à propagande d'époque absolument infernale, parce que moi, bon, il se trouve que j'habite pas très très loin, et que c'est une animation permanente, parrainée par l'Hôtel de Ville, de toutes les bonnes causes. Alors, vous avez un jour la fête de l'air, le lendemain c'est la fête de l'eau, le surlendemain c'est la fête des femmes, le surlendemain c'est la fête de l'Europe, la fête de la liberté, vous avez tout comme ça. Et à chaque fois, avec tout ça, vous avez des animations, de la musique qui fait du bruit dans tous les quartiers alentours, etc. Vous savez, autrefois, une des caractéristiques, puisque moi je parle du mode de vie urbain d'une grande ville comme Paris, c'était qu'il y avait des lieux merveilleux pour aller écouter de la musique, en faire, danser, aller au théâtre, mais que c'était pas forcément dehors au milieu des rues, etc. La rue, ça servait à d'autres choses. Et là, c'est sans arrêt, avec aussi le week-end pour bien vous permettre de vous reposer comme ça, des 8 ou 9 heures du matin, des grands rassemblements de marathoniens, de coureurs, de Run My City, avec des tambours brésiliens, parce que c'est tellement mieux un tambour brésilien comme ça qui vous donne un air festif, et tout ça est assez épuisant en fait, mais tout ça souligne la façon dont les politiques en général depuis Jacques Lang, mais les politiques municipaux en particulier avec Anne Hidalgo, se sont transformés en espèce d'animateurs de fêtes. Là encore, ça n'est pas leur rôle, c'est qu'effectivement les théâtres, les cafés, les lieux où on peut faire la fête fonctionnent dans la ville, c'est pas d'organiser eux-mêmes cette espèce de parade permanente qui en plus effectivement, comme je le disais, se rattache toujours aux bonnes causes obligatoires que la mère en plus tweet simultanément sur son téléphone pour montrer qu'elle est bien dans le coup. C'est pas très drôle, hein. Franchement, moi je préfère la place vide. J'aime les berges de la Seine, non pas maintenant qu'elles sont rendues soi-disant aux piétons, mais quand ça déborde, comme en ce moment, vous savez, quand l'eau revient dessus et que le sauvage reprend pour le coup simplement et vraiment et tout simplement sa place. Les berges sont rendues aux eaux de la Seine. Ça me plaît effectivement. Est-ce que Paris perd peu à peu de son identité à force d'être renié de cette façon-là, selon vous? Ah oui, ça perd de sa beauté, de son caractère. Et je vais donner encore un petit détail qui est plus difficile à partager, je le vois bien quand j'en parle, mais certains me comprennent fort bien. C'est par exemple, vous savez, l'arbre parisien. L'arbre parisien, c'est un
un arbre qui, un marronnier ou autre, qui jaillit du trottoir comme ça, qui apporte beaucoup d'ombre. C'est pas dans toutes les villes du monde comme ça, qui apporte de l'ombre, de la fraîcheur, et qui est à cette petite magie au milieu de ce décor haussmannien parfait, justement, de donner l'impression qu'il sort presque du bitume avec juste une petite grille autour. Dessiné par le baron Haussmann elle-même. C'est quoi la politique aujourd'hui? C'est on va faire des potagers autour des arbres, on va mettre des vieilles barrières de campagne minables et foutraques qu'on pourrait avoir dans n'importe quelle arrière-cour de ferme pour montrer qu'on aime la nature. Mais alors, non seulement c'est pas pratique parce que quand on marche sur les trottoirs, ça prend beaucoup plus de place, on est obligé de faire des détours, mais en plus de ça, ça a beau être mignon, ces petites plantes de fleurs sauvages que quelques mamies viennent mettre là-dedans, c'est pas ça Paris, quoi. Paris, c'est une ville élégante avec un accord très subtil entre la nature et la pierre et le bitume. Et Paris, c'est entretenir les jolis squares que nous avons, c'est entretenir les jolies fontaines que nous avons. Oui, tout ça, ça c'est un accord subtil et urbain entre la nature et la ville. Et c'est ça aujourd'hui qu'on est en train un peu de sacrifier à force de coups, de com, comme ceux qui s'annoncent maintenant pis encore pour ma malheureuse île de la Cité et son marché aux fleurs. Le marché aux fleurs qui est l'un des plus beaux endroits de Paris, qui ne plaît pas à Anne Hidalgo vraisemblablement parce qu'elle le trouve un peu mort. C'est-à-dire que ça manque de commerce plus visible, plus voyant. Cette remarque du maire de Paris concernant le marché aux fleurs s'intègre dans une réflexion, dirons-nous, plus large afin de repenser en quelque sorte l'île de la Cité. C'est Dominique Perrault, architecte, homonyme et seulement homonyme de l'architecte de la grande colonnade du Louvre, ça s'arrête là. Mais malheureusement, c'est le même que celui de la grande bibliothèque. Mais c'est le même que celui de la grande bibliothèque. Le Ceausescu de l'architecture française. Exactement. À qui on a demandé de repenser l'île de la Cité parce qu'elle aussi, elle est un peu morte. C'est un peu. Voilà, en réalité, c'est que les pouvoirs publics, et c'était parrainé par François Hollande d'ailleurs, du temps où il était encore président de la République, ce projet avec Anne Hidalgo, les pouvoirs publics ont décidé de refaire l'île de la Cité, notamment, il y a une vraie raison objective, si on peut dire, c'est qu'il y a plein de services qui quittent l'île de la Cité pour aller s'installer dans les nouveaux palais de justice et dans les nouveaux services de police qui sont, je crois, dans le 17e arrondissement maintenant. Voilà. Et donc, il va y avoir plus de place, l'île de la Cité. Mais en fait, ils veulent en fait profiter, effectivement, on a vu le projet, pour en faire une espèce de grande base touristique au cœur de Paris. Toute la partie qui est autour du marché aux fleurs va être transformée en espèce avec le métro d'accès pour les touristes, avec le marché recouvert d'une grande cloche de verre. Dominique Perrault adore les grandes cloches de verre, c'est pour ça qu'il avait prévu de faire la grande bibliothèque tout en verre, ce qui était tout à très fait contre-indiqué pour les livres. On a été obligé de trouver des solutions après. Une grande cloche de verre avec des animations, avec des jardins dans les cours de l'Hôtel Dieu du côté touristique, mais de l'autre côté où il y a les habitants qui demeurent comme moi d'ailleurs, mais aussi beaucoup d'autres. Là, par contre, on va reconstruire dans les tours pour densifier encore un petit le Paris où les gens habitent. Ils n'auront qu'à s'habituer. Et par contre, on va dégager l'espace pour les touristes et puis transformer surtout toute la plateforme en une espèce de grand espace transparent. On aime la transparence à notre époque, avec une dalle en verre et un tiers de l'Hôtel Dieu donnant sur Notre-Dame, qui sera lui aussi fait de boutiques, de commerces, etc., pour accueillir les touristes. Donc, c'est vraiment la Disneylandisation définitive de ce vieux quartier parisien qui était jusque récemment encore occupé par un hôtel et des administrations et une population simplement. Alors voilà, c'est la touristification qui est l'autre, disons, plaie de Paris, dont on voit les conséquences tous les jours, y compris aussi d'ailleurs sur la circulation, avec ces lignes de bus pour touristes qui encombrent justement les boulevards beaucoup plus que les malheureux travailleurs de Paris et de banlieue qui essaient d'aller à leur boulot. Il y a comme ça une soumission de Paris aux conditions du tourisme de masse, qui sont absolument pas du tout obligatoires ni forcément bienvenues, même pour l'économie d'une grande ville, parce que vous savez, le quart de touriste qui vient d'Euro Disney, qui s'arrête 2 heures à Paris et qui repart, il n'apporte pas grand chose, mais on se soumet à ça et je trouve ça absolument lamentable, d'autant plus que je le dis, enfin moi je sais pas, bon plaisir quand j'ai visité des villes du monde, ça a toujours été d'avoir l'impression de me fondre un peu dans la réalité de la ville, de prendre le métro, de prendre l'autobus, de prendre le taxi, mais de faire comme à New York ou à Saint-Pétersbourg, comme si j'étais chez moi. C'est ça qui est plaisant quand on découvre une ville, c'est pas d'aller suivre une espèce d'itinéraire programmé avec des titres en anglais, etc., comme on essaie de faire aujourd'hui. La place de l'anglais dans l'espace public est d'ailleurs de plus en plus importante. En augmentation constante, mais ça, Madame Hidalgo aime beaucoup aussi, mais en tout cas,
Une évolution qui est très fâcheuse et qui, malheureusement, dans la perspective des Jeux Olympiques, évidemment, ne fait faire que ça s'aggraver. Ça mériterait une autre émission pour parler des JO de 2024. Je voudrais qu'on dise un mot pour conclure, Benoît Duterte, quand même. Dans les Dents de la Mer, vous permettez une chose qui est ô combien politiquement incorrecte aujourd'hui. C'est une, quelque sorte, une réhabilitation du mandat de Jean Tiberi. Et je voulais qu'on termine sur cette note-là, qui est inattendue et qui sonne terriblement juste, encore une fois, comme votre livre dans son ensemble et dans de la mer. Dites-nous, Benoît, pour conclure, pourquoi Jean Tiberi a été un grand maire de Paris? C'était presque le point de départ du livre. Hein. J'avais une espèce de sympathie instinctive pour Jean Tiberi. Et je me suis aperçu en parlant autour de moi que c'était vraiment la plus énorme des provocations qu'on puisse imaginer, bizarrement. Hein, oui. C'est très subversif, parce que, vous savez, on vit dans un monde d'étiquettes, de com, où chacun a son étiquette, donc Tiberi, c'est mal, Delanoé, c'est bien, et d'ailleurs, c'est le rôle qu'a joué une grande partie de la presse entre l'un et l'autre, puisque quoi que fasse Tiberi pendant son mandat, il se fait systématiquement dézinguer, alors que c'est lui qui a lancé, justement, la fermeture des berges le dimanche, développement des pistes cyclables, etc. Et quoi que fasse Delanoé depuis son élection au lendemain du mandat de Tiberi, c'était toujours fort. Formidable. Et vous dites qu'il est trop commun, trop beauf, entre guillemets. Je pense qu'il y a un profond mépris social de lui et de sa femme, de ce couple un peu à la Dubout, comme ça, de la classe politique dominante, qu'elle soit de droite ou de gauche. On l'a vu d'ailleurs comment la droite a essayé de se débarrasser de lui après son mandat de maire de Paris par tous les moyens, et comment la gauche aussi, d'une certaine façon, l'a toujours traité avec le plus grand mépris, comme une espèce de petit homme de l'ombre, magouilleur, truqueur. Alors, il y a eu l'histoire des électeurs du 5e, certes, c'est assez compliqué parce que je pense que c'était plutôt la politique de Chirac que celle de Tiberi. Mais par ailleurs, de toute façon, Tiberi, il faut le rappeler, c'était un gaulliste de gauche à l'origine, c'était un bon gestionnaire, c'est quelqu'un qui a énormément défendu le petit commerce dans le 5e arrondissement, qui est d'ailleurs resté un des plus agréables à vivre à Paris, grâce notamment à l'action de Tiberi. Je me suis baladé, je ne connaissais pas, j'ai pris un café avec lui, je me suis baladé dans les rues du 5e, c'était extraordinaire de voir comment tout le monde venait le saluer, le remercier. Et voilà, moi je trouve que justement, ce qui est merveilleux chez Tiberi, c'est que c'est un grand-mère parce que c'était un petit maire. C'est-à-dire qu'il n'a pas voulu changer le monde, il n'a pas voulu rendre l'humanité meilleure, il n'a pas voulu transformer les Parisiens. Il a juste voulu, avec des erreurs sans doute et aussi des réussites pendant la période de son mandat, s'occuper de Paris. Et vous savez, comme on dit dans les toilettes publiques, rendre les lieux dans l'état où on les avait trouvés en arrivant, vous voyez. Ce qui n'est pas le cas de ses successeurs. Il a donné les clés de la ville à Bertrand Delanoé avec une dette d'environ 1 milliard. Elle est à 6,6 à peu près. Nous resterons sur cette image peut-être pour parler d'aujourd'hui, de Paris aujourd'hui, Benoît Duterte. Merci d'être venu sur RCJ pour nous présenter Les Dents de la Mer, souffrance d'un piéton de Paris, que vous publiez aux éditions Fayard. Merci beaucoup. Merci Benoît Duterte.